Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. Le rat en question, prénommé Ferdinand, est un rat des tranchées et il représente en même temps, évidemment, un poilu de cette terrible guerre de 14-18. Ce contact perpétuel et invisible avec le poilu m'a permis de bien le connaître. Il parlait devant moi sans contrainte. Aussi ai-je pu pénétrer sa psychologie avec exactitude. Frédéric Garcès me paraissait le seul comédien possible pour un travail aussi énorme et aussi diversifié. C'est un vrai travail d'acteur. Qu'est-ce que vous attendez pour le démolir? Vraiment, capitaine, il faut tirer. C'est pas un bien bon moment pour se faire tuer, hein. Si on peut même plus poser culotte. Et crois-tu qu'il t'épargnerait? Cet argument semble à convaincre Juvenet. Et il m'y trouve. Ce rat va devenir soldat, ce qui est relativement drôle aussi. Évidemment, après, les choses vont se gâter, puisqu'il est quand même question d'un plaidoyer pour la paix, d'un plaidoyer contre la guerre, contre cette énorme barbarie. Je suis un de ces innombrables rats de tranchées qui, de la mer aux Vosges, ont juré de tenir eux aussi jusqu'au bout. Je suis un poilu. Je sais vivre. Il faut venir le voir. Le travail est tout à fait original, je crois. Et la performance, très belle.